On y va les gars. On est parti. Énorme. Cette scène était juste énorme. J'ai kiffé. J'ai rien fait mais j'ai kiffé. C'est quoi le but du jeu, enfin plutôt de cette partie? Tout simplement de capturer les toutes les positions et de faire descendre le nombre de tickets des ennemis à zéro. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Du coup j'ai moins kiffé là. Ouais, c'est un vrai pilote. On fait du drift. Bon, je crois que je vais descendre de là, parce que sinon j'aurai envie de gerber vous aussi. À toi! Stop, guys! Thanks! Il y a la 2 qui est partie poser une phobe dans le village là. Ah, pas tout de suite, Andromaque là. Je vais pas tirer tout de suite alors qu'il y a pas d'ennemis. Allez, parti. Donc on part sur Mature. Je crois qu'il a dit un truc par rapport au médic, mais j'entends pas grand chose. Ah ok Chrisax, j'arrive après cette game là. Baisse la tête. Ouais, oh, c'est un ouf. Eh, hey, tu veux que je meure toi? Je sais que j'ai pas beaucoup de cheveux mais allez, continue. Reste comme ça, on sait jamais s'ils arrivent. Moi, il m'entend pas, je lui parle pas, mais... Ah, c'est Bishop! C'est le mec que j'ai soigné tout à l'heure, dans la game d'avant.
Ok, ils sont avec nous. On est en train de caper. Qu'est-ce qui se passe avec la Fireteam Bravo? On n'est plus que deux quoi. On n'est plus que deux dans le véhicule. Je suis pas le mieux placé, hein. Je suis médic. Hein. Bon, je vais faire un petit tour en roche. En blindé. Pour pas dire de conneries. À faire un petit tour en blindé, puis après on verra si je meurs, on continuera en infanterie. Hein. Il y a de fortes chances que je meure, parce que là je suis... Je suis le premier mec qu'on va buter, quoi. Iraki Hangar, il est loin Iraki Hangar. Voilà, on y arrive les copains, on va arriver au contact. Il va falloir qu'on ouvre l'œil. Vous m'entendez quand même avec le véhicule là qui fait du bruit? Ok, merci là, quand même. Salut Contalus. J'aime bien le panneau stop à l'entrée, tu sais. Arrêtez-vous. Priorité à droite. Ok. Oh, il y a un hélico qui a pété là-haut là. Ça fait un petit champignon. Là, le leader il arrête pas de parler mais j'entends rien du tout. La question que je me pose c'est s'il parlait français, est-ce que je comprendrais? Allumer lui. Qu'est-ce qu'il a fait avec la Fireteam là? Pourquoi il me met leader? Elle est sérieux quoi? Et pourquoi il a coupé le moteur? Ah. Peut-être parce que je peux spotter, ça va être pour ça qu'il m'a mis leader. Ok, ils veulent qu'on aille... d'accord. Nord-ouest de... d'Iraki, là. Wait. I wanna see, just wait for a second, wait for a second, I wanna see what it is.
crois qu'ils ont rencontré du contact. Ouais, ils ont dû rencontrer du contact. Mais qu'est-ce qu'il fait Ah ok, on récupère nos loups. Ouais, je pense qu'ils ont rencontré du contact. Il va falloir être efficace. Pas mort hein, au niveau du... Non, du logis, c'est bon. C'est pas toi qui dis stop. Avance. C'est bien qu'ils mettent des marqueurs leaders s'ils voient des ennemis là. Ok, ils font la phobie ici, d'accord. En plein désert, comme ça. Ok. C'est très tentueux, hein. Je suis pas sûr qu'elle tienne. Elle est dans un petit creux. Ouais. Ça va être compliqué, hein. S'ils nous voient sortir de là, ils vont vite la trouver. Ah bon, c'est vrai qu'après, dans une petite crevasse là. Ok, je pense qu'il veut qu'on le laisse là. Non, le leader il monte. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde monte. Comment on fait? J'observe. J'observe. Ouais, c'est parti le mortier. Donc là, il y a les observateurs avec leurs jumelles. Franchement, c'est propre ce qu'il fait, hein. Le leader là. C'est propre de chez propre. Hein. J'ai rarement vu des déplacements comme ça sur sur Squad. Hein. Bon, en même temps, on m'avait dit que les Britanniques, enfin les Anglais et autres, ils avaient une autre façon de jouer et du coup, qui me parlerait un peu plus. Parce que c'est un peu plus... immersif et moi je rush le point. Ok, vas-y, je vais descendre. Salut Celica, Celica OB, ça va et toi? Tout le monde avec ses jumelles, c'est.
No man, why you shoot? Why? Il a tiré. On va se faire repérer. C'est quoi le hélico là? Ouais, franchement j'aime bien là. J'aime bien la façon dont ça se joue là. Et là l'hélico qui va venir déposer des troupes. Tu crois à celle-là? Non. Je me croirais sur Arma là s'il dépose des troupes. Bah évite de rester en stationnaire par contre, on va se faire opérer à cause de toi. Oh! Oh my god! Ouais, fallait pas rester en stationnaire l'ami! Ah ouais, fallait pas rester en stationnaire! Ah il s'est pris Je sais pas ce qu'il s'est pris d'ailleurs. Une roquette, un taux, en tout cas c'est terminé. Je crois qu'heureusement qu'il était tout seul. Wow. N'hésitez pas à faire des clips hein. Quand vous voyez des moments comme ça quoi. Allez, je vais suivre le leader. Je pense que le mieux c'est de laisser le véhicule ici. Ah non, l'esquiver à Gonus. Dis-moi qu'il y a des bravos avec moi là, que j'ai pas fait une bêtise. Bon ça va, il y a des bravos avec moi. La longue traversée. Voilà, on arrive sur la piste. La piste de l'aérodrome, aéroport. Je pense qu'on devait pas forcément avancer les bravos là. Yogoster. Les Fire Team Bravo, on aurait peut-être dû rester là-bas avec le véhicule. Mais bon, ils ont besoin du medic sur le terrain. Parce que je vois qu'il y en a un qui est resté en retrait, lui il est resté auto. Ouais, la FOB est loin quand même. Elle est loin. Au moins elle est sécurisée quand même. Mais là disons que quand ils vont repérer de d'où on vient, on risque de se faire bien allumer. Là ils ont juste à se mettre sur la crête là. Et enfin derrière la crête là, ils nous allument. Ce qui est bien c'est qu'on a encore un véhicule blindé là-bas quoi. On pourra peut-être contourner un petit peu. Bon, il y a la 6 qui est déjà là-bas. Ok, il veut qu'on aille là-bas. On a récupéré un peu la stamina. Ok. En gros, il va poser un rallye et après on va attaquer le bunker. 40A117, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ah, petit freeze là. TSP70, merci à toi également. Installez-vous confortablement. On n'a pas encore rencontré l'ennemi là depuis le début de la partie, mais ça ne devrait pas tarder. On y arrive là. Là le leader veut poser un rallye dans le bâtiment qui est à notre est. Ok, un éco-tir. Du coup, on va arriver côté ouest de la position attaquée normalement.
sur le flanc ouest, enfin, sur le flanc nord-ouest même de Iraqi Hangar. Ok, ils ont... Oh, ils ont trouvé la phobe ennemie direct. Énorme. Il veut pas qu'on... Ah si, j'allais dire, il veut pas qu'on... Oh, calmez-vous. Attends, je fais n'importe quoi. Là, je crois que c'était des ennemis qui arrivaient. Ça arrive. Attendez, je vais prendre un peu de recul. Là, du coup, ils savent qu'on est là. Donc, ils risquent de rusher notre bâtiment. Regarde, on a perdu Iraqi là. C'est pas grave, on arrête de l'autre côté. Ouais, y'a toujours du monde 40A sur squad hein. Ah ouais, tous les soirs y'a du monde. Vous avez vu là, en fait, c'est la communication de notre leader qui demande un barrage de smoke pour qu'on puisse traverser cette plaine là. C'est ouf, hein? Trop bien. Même après pas mal d'heures de jeu, je kiffe tomber sur ce genre de game. Oh là là, mon gars, il a mis une tête directe. Oh, ça c'est l'hélico. Ah, big baza Stanton, Agonos, c'est noté. On s'en souviendra. Et le serveur, je sais plus le nom du serveur. Ah oui, The Art of Warfare. Mais je crois que c'est pas un joueur de la team Tau. Mais franchement, c'est propre. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais. Après, on a pas rencontré beaucoup d'ennemis autres, mais c'est super efficace ce qu'il fait. Enfin, ses déplacements, sa communication, elle est propre. Il veut faire quoi? Il veut poser un rallye ici ou... Moi, je le suis, hein. Je le suis. Étant donné que je suis médic, je vais pas prendre trop de risques. Attends, on va observer quand même. Ok, ça avance là-bas, c'est à nous. L'art de la guerre, ouais, mais Warfare, c'est guerre, Warfare? Parce que War, c'est guerre aussi, non? Ok, il y a du monde.
Y'a du monde là-haut. Où est-ce qu'ils sont fait buter eux? Okay, guys, we need to dig up the half so we get reinforcements. Oh, c'est chaud les copains. Orange, come dig. Où vous êtes là? I'll cover you. Come back. Right, I'm gonna cover you. Ok, Warfare c'est comme War. D'accord, merci Sandro Mac. L'art de la guerre. Bah en tout cas pour l'instant c'est propre. Comme. Putain, t'es un ouf mon gars. On va se prendre une grenade en plus. Yeah, ok. Et toi? Putain, ça va être chaud, toi. Maintain security on this hab, guys. This is our hope of getting reinforcements in. Ah, je sais pas si ça marche, si ça marche. Guys, there, come. Il y avait un mec au fond là. C'est chaud là. Hein. C'est rentré dans notre bâtiment, je pense. Ah, t'es super vulnérable hein, quand tu soignes, hein. Mais bon, c'est super important. Voilà. Et ok, les mecs sont tombés à l'intérieur. Merde. Ah, c'est obligé. C'est obligé. J'aurais pas dû. Ah, c'est arrivé dans mon dos en plus. Mais bon, il y a un rallye qui est pas loin, c'est pas grave. Il va peut-être me relever là, No You. Ouais, peut-être. Non, non, il s'en fout en fait, No You. Il est passé, rien à faire, je te soigne pas, mon gars. Ah, punaise. Bon, en même temps, il a raison parce que maintenant, ils mettent beaucoup plus de temps avec la B19 à soigner. Est-ce que je préfère Squad ou Postscriptum? Les deux, j'adore. C'est vraiment complémentaire, il y en a un sur la Seconde Guerre mondiale et l'autre la première, quoi. Mais perso, j'adore. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, non, c'est de l'autre côté. Vous avez vu là? Le petit partenaire officiel? Ça me fait plaisir, je suis fier de vous l'annoncer. Je suis partenaire officiel Postscriptum. Official, exactement. Et pour Squad, j'attends toujours leur réponse. Pas faute de jouer à leur jeu, hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'horlogie est toujours là. Depuis hier, 40 ans, depuis hier, je suis partenaire. Donc on se fera du post-scriptum sûrement ce week-end. Je vais essayer d'en faire au moins une fois par semaine. Léo Dry. Ça va ou quoi? Merci pour le host drive. Il a envie de mourir lui tout seul dans son hélico là. Comme tout à l'heure, il a envie de mourir. Elles sont venues jusqu'ici avec un logis. Bon, ils veulent poser une fob. Hein. J'ai quelques frises parfois. Ok. La fob est déjà posée. Ah, j'aime pas partir là-haut. J'aime pas du tout. Une peu de fois je suis monté, je suis mort. Moi, oh, j'avais pas vu la petite passerelle là pour aller sur dans le bunker. Yeah, on it. I would just need to...
is actually an enemy head right inside. Ah, traverser va être compliqué, je sais pas pourquoi. On serre les fesses, on serre les fesses. Bouge. Found enemy head inside my bunker. On. Je crois qu'il y a une hub, il a dit là-dedans là. Donc on est sur le point AKP. J'ai des petits freeze là quand même. Ouais, c'est pas très fluide là du coup. Du coup c'est Big Baza Stanton le commandant. C'est plus notre leader maintenant. Ah si, toujours. C'est notre commandant et notre leader propre. Là, ils avaient posé une FOB juste sur le point, quoi. C'est des fous. Après, faut trouver leur radio. Le soin avant tout. Le soin avant tout. L'appel après. Enfin, je lui roule pas une pelle, mais vous avez compris quoi. Ok, c'est bon, mon gars. On va blanchir. Il était là lui il y a deux secondes là. Je crois pas hein. Ok, c'est blanchi. Qu'il a pris. Okay, where's the enemy tank? I'll build a new turret with some stuff. Might be a potential hub for enemy. Some sort of mounted weapon or okay, maybe vehicle kill thing. You can try and investigate, you can mark it yourself though. Okay, after you come to me, we're gonna build a tow. Where are you? Ah merde, ils ont neutralisé l'autre position. Putain, mais ça marche pas cette merde hein. C'est pas au point leur dragging. Le fait de pouvoir traîner un mec au sol, c'est pas trop au point. On redescend, Il soigne le mec et moi je le soigne lui. Merde, misclic. Donc du coup ils ont blanchi quelle position? Oh, merde, ils sont tous là-bas, ils ont blanchi là-bas. Blanc. C'est chaud là. Et on avait abandonné le point. Eh ouais, ça c'est un point négatif, tu vois. Du coup ça a dû manquer de communication.
Parce qu'on aurait dû laisser les escouades. On aurait dû laisser les escouades sur le point à défendre. Le mec est mort. Oh, il est de l'autre côté là. Chaud. C'est un mec ça? Je vois pas trop ce que c'était. Ah, c'est un véhicule, merde. Ah, je suis plus leader, bravo, ok. Je voulais le soigner. Enfin non, je voulais le spotter, pardon, et lui je vais le soigner. T'énerve pas toi, t'énerve pas. Je te soigne. Pourquoi je peux pas faire le bandage? Ah si, c'est bon. Merde, on est repéré. Ça sent la grenade, ça pue la grenade. J'ai des frises parfois, c'est vraiment embêtant. Non, on est deux sur un mec, ça sert à rien. We are spotted. Exactement. Agonos, on est spoté. Mais alors où? C'est une bonne question. Je vais en prendre une, hein, mais bon, faut qu'on le trouve, hein, ce tireur isolé. Là. Il a pas l'air d'être par là, j'arrive pas à trouver d'où viennent les tirs. Si, ça tire de là, là. Ok. Ça tire à l'est. Mais alors où? Là-dedans? Ok. Ok. Je crois que je suis blessé. Le char il est à nous, hein. Do we have like anti-tank M1? Thanks. No. Ah, faut se barrer d'ici. On est vraiment pas bien là. Il est médic lui là? Orange? Faut qu'on bouge. Faut bouger d'ici et trouver un autre angle. Ah, je me casse. Oh putain. 1, 2, 3. C'est le véhicule qui nous tire dessus. Merde, putain, faudrait que je les relève tous, quoi. En fait, le char qui tourne autour... Oh, si, il est à nous, mais attends. C'est bon, ils arrivent à soigner les mecs ou quoi? J'ai bientôt plus de bandages. Bizarre, lui, il a pas marqué que... Qui saigne. D'habitude, c'est une goutte. Oh, on est les Anglais à Gonos, ouais. On est tous morts. Ouais, donc il y avait bien... Il y a deux... En fait, il y avait un char allié qui traînait autour. Et un char ennemi qui nous allumait. Ça aurait été bien que vous deux, là... Vous nous aidiez, quoi. Ouais, bon, ils veulent revenir sur... Attends. Blanc-blanc, faut le garder blanc-blanc. On n'a pas le choix. Hein. Il y a du monde qui est proche de moi, quoi. Non. Tout le monde est mort.
Du coup, on spawn à la FOB. Ça va permettre de recharger les bandages. La 5 et la 2 vont essayer de récupérer. Ah, ok, rallye. Ouais, mais faut que. Ok, je leur fais confiance. I hear an enemy vehicle southeast. He's coming straight for us. Yeah, scout car, I think, stand by. We're gonna try and get eyes on. Je pense que je vais spawn à la FOB parce que j'aurai plus de munitions. J'aurai plus de bandages, j'aurai plus rien si je vais sur le rallye. Ouais. Donc on va marcher un petit peu, les amis. Bon, ça va être compliqué. Surtout que au sud, sur les hauteurs, là, ils ont l'air d'avoir du monde. Nos copains, ils sont là-bas, là. Donc en fait, là, sud-est, sur les hauteurs, là, ils ont potentiellement du monde. J'espère qu'ils vont rester là-haut, là, ils vont rester sur le blanc-blanc. Et nous, qu'on arrive à récupérer Mahat-Hour. Bon, je vous l'annonce, on va marcher, hein, c'est en train de se barrer avec le véhicule. On va marcher. Coming to the FOB. Ils sont en train de ramener un autre logis pour faire un autre FOB, je pense, proche de Mahatour. I think he's coming right now. Okay, try and mark where he is. The FOB should be safe, it's got no vehicle entrance. Yeah, I'm gonna try and destroy it. Hey, do you want a bit, guys? Vous croyez qu'ils viennent nous chercher là? Où est-ce qu'il va? Je sais pas s'il vient nous chercher. Bon, on va monter dedans, tu sais quoi? On fera moins de marche. Si on meurt, on meurt tous ensemble. On monte à combien là-dedans? Oh, il y a un mec qui s'appelle Dr. Zoidberg. Comme dans le dessin animé Futurama. Et vous savez que Dr. Zoidberg, je vous le dis, là c'est un scoop. Hein. C'était mon tout premier pseudo quand j'ai joué sur un jeu multijoueur. Donc c'était Call of Duty 4 Modern Warfare. Et mon pseudo, ça c'était... C'était Dr. Zoidberg. Et ma team. Je dis le nom de ma team ou pas? Elle s'appelait Tête de Con. Et en fait, tous les mecs de la team, c'était le nom des personnages de Futurama, quoi. Donc c'était sur Call of Duty 4 et en. En quelle année je sais plus, mais en tout cas c'était sur PS4. Parce qu'avant je jouais à la console. J'avais pas encore d'ordinateur. Et un petit mortier. Ok. Ok, on remonte dans le véhicule. Squad lead, you wanna mark the map? We want me to hit. Give him some help now. Yeah, hit him. I'll put down a move mark. Alright.
Allez, on part à l'assaut. On part à l'assaut. Ah, ils ont. Ah non, ils ont. Putain, ça veut dire que. Merde, ils ont capé. Ça veut dire qu'ils ont pas tenu en haut le blanc. Au nord, là, ils ont pas tenu le blanc, donc faut qu'on récupère Marathour. Il y a une mine sur le pont. Petite anecdote des familles, c'est ça, Sandromac. C'est ça. Là, je vous avoue que. J'aime pas être dans les véhicules comme ça parce que bon, il y a de fortes chances qu'on meure. Tous ensemble. Mais en même temps, c'est le moyen le plus rapide pour aller attaquer et. Là, c'est un jeu vidéo, mais pour de vrai, c'est quand même le moyen le plus sécurisé, quoi. Par contre, c'est le moins discret. Donc on va arriver dans pas longtemps. Et là, à mon avis, ça va être chaud. Oh, la petite crête qui va bien. Coucou, on arrive. Je serais bien descendu ici. Ok, bah super. Ça me va. Hop. Oh putain, laissez-moi descendre. Ouf. Ok, j'en ai pris une directe. Je vais soigner mon pote qui est là-bas là. Je pense que c'est le tireur du véhicule. Ah merde, j'ai pas fini mon bandage, c'est ça? Si, c'est bon. We can use the bulldog to jump over this wall, guys. We need easy entry. We need medic, yeah. Okay, cool. Oh, wait, never mind. But Bishop, stay down. Coming over with you. Yeah. Okay, I'll hop back over and get these guys up. J'adore quand tu soignes des mecs et qu'ils s'en vont. Je fais mon job. Je tire pas beaucoup sur les ennemis, mais je fais mon job. J'essaie de le faire au mieux. Ok, c'est bon. C'est ça que je voulais, c'était ça. Ils sont sur le hauteur là. Il va me dire, il me suit à la trace ce mec. Leader. Bon bah, on utilise le barrage de smoke si j'ai bien compris, c'est ça? Allez, go, je te soignerai après. Ok, c'est bon. On se rapproche doucement, hein. Je pense que les mortiers sont un peu courts. Yes. Okay, we need bulldogs.
Est-ce qu'il a dû un temps, le leader? Ah, j'ai un cran de retard là, du coup. Wow, bâtard, il m'a acheté quoi là? Je l'ai vu arriver le truc. Lance patate. Ah ouais, ok. J'aurais pas dû me mesurer à lui. Là il pense que je suis mort, c'est déjà ça. Il m'a appelé le leader, je crois. Ok. On bouge. Oh, ça freeze là, vous avez vu? J'ai failli crever. Vous avez vu le petit lanceur là? Enfin, la petite grenade qui arrivait sur ma position là? Elle a tapé juste le mur, heureusement je suis pas mort. J'ai super chaud là. Oh, il y a des mecs qui sont morts à côté de moi. C'est pas grave. On va essayer de contourner, je pense. Ah, c'était chaud, syndrome Mac. Traîner le leader, mais c'est pas terrible là, l'action. En fait, vous avez vu la petite main qu'il y a sur le corps? En gros, faut être placé à un certain endroit pour que ça attrape direct, quoi. Enfin, faut appuyer sur la touche d'action, bien sûr, pour le faire. Mais ouais, fait chier, quoi. Je voulais juste le ramener en fait dans le bâtiment, mais bien sûr, la rue elle était trop. Elle était trop occupée, quoi. Là, elle a pas de bandage, celui qui est sur notre position, je crois. On a quand même deux gars qui sont restés. Le Tagadab. On a un médic là, s'il peut nous relever, mais notre rue, elle est pas safe, je pense. Ici là il y avait énormément de monde dans ce campement de notre mort là. Ah puis les deux ils sont touchés en même temps. Bon peut-être qu'ils vont pouvoir nous relever peut-être. Peut-être. Il y a Bishop qui arrive. Thanks. Oh putain. Chaud, c'est chaud. Cool, il est mort, Bishop. Ouais. Non, il est pas mort, Bishop. Il va nous relever. Bishop, ça me fait trop penser à Alien. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait un cri de merde comme ça fait pas ce bruit là, les aliens. Thanks, you. Quand même, mec, bon, on est dessus. On va essayer de caper maintenant. Un bruitage hollywoodien. Fais ça, Tagadab. Que je recharge.
Ah, arrête de tirer là, j'ai pas de précision. Y'a un mec là-dedans là. Bah y'a un mec qui est rentré aussi sur ma position, je pense. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont là et du coup ils seraient peut-être ici une fob ici, ouais ça serait une bonne idée pour eux en tout cas. Est-ce que je give up Ouais c'est trop compliqué là, je vais give up. Et on va respawn sur la fob. Le retour va être un peu plus long. Ça aurait été bien un RP en fait. Côté nord là, par là où il y a justement ce marqueur, hein. Ça aurait été bien. Qu'est-ce qu'il fabrique là? C'est quoi ça? Il enlève la radio là? Ah non. Elle a dû se faire allumer. Je sais pas, c'est quoi le plus safe pour passer là-bas? Là, je passe par là. Fireteam has been updated. C'est moi le leader encore, Fireteam. Du coup, je peux mettre des marqueurs maintenant. Oh, ok, c'est bon. Ah, fuck, sorry, boys. I've got to do a rally, but I don't think we've been able to with the amount of enemies in the point. Yeah, we were surrounded. It's alright. It was fun. Mais what? Oh, fuck. Putain, c'est quoi qui est tombé sur. Juste en face de moi là. C'était un mortier allié. Oh j'ai eu chaud. On va essayer de recoller avec les copains. En même temps, ils sont tous morts là-bas. Okay. Bon bah. Hé, hey, Agonos! Agonos, c'est toi, Agonos? Agonos, est-ce que c'est toi? Agonos, t'es mort! Agonos? Est-ce que c'est moi Agonos qui est sur le live? Oui, j'ai indiqué un char ennemi sur la map. Ok. Je vais te relever, l'ami. J'arrive, Agonos, j'arrive. Ah, mauvaise idée, Agonos. T'es super mal placé. Oh, c'est chaud. Pas croco. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Agonos, ça va être compliqué de venir te lever. Hein. Ah ouais, ouais, là, je suis désolé l'ami, mais j'ai voulu essayer. Mais là, ouais, c'est un peu trop compliqué. Je suis seul tout, mon gars. Attends, je vais attendre le grenadier qui est avec moi, là, je suis seul tout. Ah tiens, pour ceux qui voulaient voir tout à l'heure niveau du drone, en fait, on a notre commandant, là, qui est en train d'utiliser un drone. Pour repérer les ennemis, tu vois. Et puis il y a un petit passage d'Adis là. Oh, je l'ai raté. Ah, il est là. J'adore ce son. Je sais pas. Oh putain. Putain, il s'est fait traiter. Ok. Oh, je bouge, je bouge, je bouge.
Merde! Ah putain! Ça va être compliqué d'avancer, il va falloir que. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il va falloir qu'on arrive par un autre. Un autre côté là, parce que. Sinon c'est mort. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je lui mets des marqueurs partout parce qu'ils vont arriver par là, c'est sûr. On va checker à l'est là. De... Ok, la phobie elle est morte. Elle est morte, enfin elle est pas morte, elle est repérée, ça spawn kill. Ok, c'est l'hélico qui arrose. Putain. Bah oui, ils l'ont repéré. Oh, on a perdu. Oh, c'était bien, mais on a perdu. C'est dommage. Vraiment, vraiment bien et ouais, bien immersif, mais c'est dommage. On a perdu. Fais voir le score. Ça donne quoi? J'ai relevé que 7 mecs. Non, c'est pas possible. Et j'ai tué qu'un mec. Ah ouais. Il me semblait avoir relevé plus que 7 gars. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que j'en ai relevé plus. Enfin bref, c'était sympa.